des toasts aux pins. Puis beaucoup trop de framboises. Je pensais que le pot était comme pas cru, mais c'était des pots comme plus crus. J'étais comme, oups, je les ai toutes lavées. Mais c'est pas grave. Je les mettrai dans le fridge, je les mangerai plus tard si jamais. Puis une petite pomme, puis des graines de toast. Et c'est ça mon déjeuner. On est mercredi. Bon matin. Là, fait qu'on est mercredi. Là, j'ai mangé mon petit déjeuner. Je vais prendre ma médication. Puis, je me suis habillée en gym. Parce que je vais aller training. Which que j'ai presque pas fait du mois de janvier, finalement. Mais c'est ça. J'étais tellement fatiguée que je vais même pas penser à faire ça. Mais bon. Je vais essayer ça à nouveau. De temps en temps, j'en fais un, genre, mais je continue pas. Mon plan de la journée, donc, training. Ensuite, je vais faire ma vaisselle. Ensuite, j'aimerais faire un petit peu de ménage. Puis, je vais prendre ma douche. Je vais me faire les cheveux. Puis, c'est ça. On est mercredi. La femme de ménage vient vendredi. Juste comme ramasser, là, plus, là. Puis, c'est ça, plier mon linge, c'est ça. J'étais comme, oh, une tâche, je vais absolument achever. J'ai plein de paniers de linge propre. Pas plié. Moi, je fais ça. J'ai assez ça, là. Je fais ça, mais ouais. Après ça, faut aussi que je fasse des lavages. Je vais essayer de faire des lavages en même temps. De tout ça. Donc, c'est ça mon plan pour aujourd'hui. C'est bien chill. J'aimerais aussi peut-être aller dehors avec Charlot une petite demi-heure, le faire courir dehors dans la cour. Il aime tellement ça. Fait que je sais pas quel autre que je vais faire ça, mais je vais essayer de tout faire ça. Puis il est déjà rendu midi, moins 10. Hier, je suis allée au McDo. Okay. J'avais une bouteille d'eau, donc je vais la boire. Je vais montrer pas le mess dedans, mais je vais commencer par faire un 10 minutes de treadmill, puis ensuite je vais m'étirer un petit 5 minutes, puis après je vais faire upper body. Donc je vais recommencer de nouveau. Bon, ça je vais faire upper body, puis je vais essayer de les faire là, comme je vais essayer de training de nouveau demain, faire lower body, puis après ça je pense que c'est cardio. C'est tout le temps là que j'arrête. Je suis comme, je déteste la journée cardio. En tout cas, quand on y va, je vais finir d'écouter le vlog de Myriam. C'est Myriam en même temps de faire mon petit treadmill. Puis là, j'ai vu les vlogs de 4 fois maman. Qu'elle a changé son treadmill pour un petit treadmill flat, là. Ça fait plusieurs mois que j'y pense. Ça me tente vraiment. C'est juste que je trouve que c'est très petit. Puis là, je suis comme, tabarouette, moi, je sais pas là, je vais tomber en bas. Mais c'est ça. Parce que, justement, en parlant d'envahir ma chambre, mais tu sais, c'est sûr que ça, hein, ça envahit la petite chambre, là, tu sais. Puis éventuellement, il faudra le retourner dans ma cave ou faire quelque chose. Et je me dis, j'en aurais un petit flat, tu sais, je pourrais juste le slide en dessous de mon lit. Fini. Bon, je commence ça. Fait qu'on se rejoint après, parce que je pense pas que je vais filmer. Je vais écouter un petit vlog. J'ai acheté 4 balles de même. C'était un paquet de 4. Ça fait squeak. Oui. Il y a une rouge, une orange, une bleue et une jaune. Il capote. Là, j'ai mis ce couvre-lit là. J'ai sorti cette armoire-là de ma chambre. Ouais! Oui, t'es content! Je suis content! Il est beau, il est beau. Ouais, il est dehors, oui. Et je vais mettre mes pantalons de neige. Il fait juste moins 5 dehors, mais j'haïs ça. Avoir de la frite. C'est juste comme un petit. J'aurais dû vous le montrer, mais.
Ça, c'est très mince. Presque juste un pantalon couvant. Puis, c'est des Columbia. Je les ai achetés l'année passée. C'est des X-Large. Puis, ils sont stretch un petit peu, on dirait, je trouve. Fait que, un fiton hein, parfaitement. Je pourrais les buster, là, mais. Mais ouais, c'est comme parfait. Puis, il fait pas trop. Trop frais. Ça fait que je vais juste mettre mon petit manteau. Je mettrai pas mon gros manteau chaud. Parce que hier, j'avais très chaud. Puis, juste des petits gants magiques. Oui! Ah, on est déjà une paire. Déjà une paire, ça. Oui, on va dire. Oh. Et je l'amènerai pas marcher, juste l'amener jouer dans le terre. Je trouve qu'il y a plus de fun, là, parce que sinon, il est comme, si je veux l'amener marcher, on dirait, je trouve que le meilleur, c'est juste de l'amener marcher, Charlot, de l'amener marcher après qu'il a vraiment bougé, parce que sinon, là, il saute, genre, il saute avec la lisse. Puis c'est comme une no-pull, là, fait que c'est attaché ici. Puis tu sais, il est tout le temps à tête tournée tout autour. Il est comme il fait des ronds, il fait des ronds, puis là il saute, il marche puis il saute. Je suis comme si il est trop content, moi j'aime beaucoup aller dehors. Oui, ah yak, Charlot. Oui, aller dehors, brûler mon énergie. Il est plein. Y'a-tu quelqu'un qui veut de l'énergie? Hé hey, maman, t'aimerais avoir de l'énergie, hein? Ma médication, ça fait une semaine, puis je le sens là que je commence à avoir, on dirait, de l'énergie. Fait que je suis bien contente de ça. Puis je dors beaucoup mieux aussi. Je sais pas si ça a un rapport ou pas, mais je me réveille beaucoup moins la nuit, puis je dors sur le côté tout le temps. Fait que ça m'aide à moins me réveiller. Fait que c'est ça. Je suis plus reposée. Ça aide beaucoup. Oh, bébé! Bon, j'y vais. Ils sont sales, mais je vais vous faire montrer. Donc, ça, c'est les bottes que j'ai qui est comme un petit peu plus hiver, là, et que je les porte. Mais, bref, c'est ceux-ci. Moi, je suis vraiment vendue Columbia. Mais ça fait plusieurs années que je les ai. Puis, ils les font plus. Maintenant, ils les font avec du poil en dedans. Puis comme c'était tellement le fun parce que c'était comme ça, puis c'était comme vraiment comme une parfaite botte de marche. Tu sais, fait que mettons que, tu sais, à un moment donné où est-ce que je marchais tous les jours, même si il neigeait, je marchais, fait que, tu sais, j'avais jamais de neige dans les pieds, puis c'est vraiment comme stable, comme une marche, comme une botte de marche, là, tu sais. Fait que j'étais tellement bien. J'écris à Columbia de temps en temps, puis je suis comme, refaites ça! C'était tellement mon rêve, mais il n'y en a plus. Puis, c'est ça. Puis, il n'y en avait plus quand j'ai racheté ceux-ci, si je ne me trompe pas. C'était déjà en train de disparaître. Ça, c'est ma deuxième paire. Puis, je les aime. Oui. Ma mère, elle est même dans le rouge. Puis, la maman André, je ne me trompe pas, elle a une paire aussi. Puis, comme, il les vendait toujours avant, ça a toujours existé. Puis, tout d'un coup... On a décidé de mettre du poil, puis là, ça, on dirait comme avec du poil, ça comme glisse, tu sais. Fait que c'est moins, hein, moins le fun. Puis, c'est ça. Et je les aime moins. Bon, on y va. Fait que, souvent, c'est ça, comme mes choses comme ça, c'est pas mal tout Columbia, puis j'ai aussi comme des petits manteaux. Mais, c'est ça, là, j'ai pris du poids, puis mon manteau, mon gros manteau, comme qui est ce couleur-là, là. Les Columbia, je l'avais déjà eu dans le bleu marin. J'ai tout le temps des petits manteaux comme mi-saison. Je joue Columbia. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça souvent très des manteaux pratiques, on dirait. Puis comme adaptés à la bonne température. Fait que je trouve ça nice. Bon, fait que je vais le laisser jouer. Voilà. Fait que j'ai mis mes lunettes de soleil. Elles sont pas belles, mais... Moi, ça me blinde tellement. La neige, comme, je vois rien. Mes deux yeux se forment. C'est trop blanc, là, tu sais. Mais, ouais, c'est ça, j'ai des petites lunettes cheapettes du... de Chine, genre à 2$. Mais ça me prendrait des bonnes lunettes de soleil, tu sais.
Ça en est une bonne paire, mais ils ont de la vision dedans, tu sais. Ça m'en prendrait une paire comme ça, mais sans vision. Tu sais, qui est polarisée, là. Ça serait nice, mais pas de budget pour ça. C'est l'austérité. On va arrêter de gaspiller. Oh my god, la gang. Je savais pas que ça se renouvelait, genre, l'abonnement. Je pensais que j'avais juste commandé pour une fois. Je pensais pas que j'avais comme. En tout cas. C'est pas grave! Vous savez qu'on n'a pas trippé tant que ça, mais c'était juste les recettes qu'on avait choisies aussi. Là. Fait que je vais l'ouvrir. Puis, tant qu'elle est là, ben, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a eu. Une minute là, pour rentrer ça. Puis, je vais. Je vais ressortir avec Charlot parce qu'il y a encore besoin d'être dehors. Donc, un filet de porc grillé, sauce crémeuse, moutarde et estragon. Probablement que je vais en geler. Parce que des dîners, puis je vais annuler mon abonnement là, parce que moi j'aime être capable de choisir qu'est-ce que je veux. Ensuite, ici, c'est des meatballs, viande et érable et bacon. Puis salade et des patates du côté. Ici, une salade de poulet grillé à l'asiatique. Haute cuisse de poulet grillé à l'italienne. Oh, ça, ça a l'air bon. Non. Des nouilles. En tout cas, c'était pas ça mes plans, hein, mais c'est vraiment pas grave. Un macaroni au fromage, il était bon. C'est pas si c'est moi qui vais le manger. Puis une salade d'orzo à la méditerranéenne concassée de tomates. Donc voilà, si jamais vous abonnez. C'est chaud. Si jamais vous abonnez à WeCook, assurez-vous de vous désabonner ou de sauter les semaines. Parce que sinon, elle vous envoie des choses. Whatever. Ben, moi, j'avais un rabais là, déjà. Là. Ça a passé sur mon rabais, c'est pas grave. Mais, ouais. Donc, voilà. Salut, il y a comme crissé le camp. Fait que là, je vais l'attacher. J'ai mis son harnais. Puis, j'ai aussi une laisse comme ça. Puis, elle est comme plastique. Fait que, je mets ça tout autour de la taille. Là, ben, j'ai pas besoin de gel. C'est juste que vu que la corde est comme plus courte, ben, en tout cas, il saute. Vous voyez la façon que c'est fait, là? Genre, c'est attaché ici. Puis, quand il marche, ça le hale soit par là ou par là, dépendamment quel bord que je suis. Puis, si tu l'attaches sur le dos, ben là, les deux petites patentes se squeeze. Comme le ready un petit peu, mais moi je veux toujours lui dans le dessous, ça fait juste ça, t'sais. C'est comme si c'est comme blindé comme garde en avant, fait que j'ai pas besoin de faire ça, puis c'est nice. Oups, c'est moins dur ses bras, fait, je vais l'amener juste marcher jusqu'à la côte là. Mais tantôt il s'enfuit, ça m'a fait chier. Oui, qui était dans le sommet, je vais me faire fesser par les autos. Écoute, ta mère. Fait que faut pas que j'oublie d'amener des traites. Qu'est-ce que je vais devoir? Puis idéalement, je mets une longe. Mais qu'est-ce que je joue vraiment en arrière de la maison? Tu sais, il va pas penser à aller par le chemin. Hein. C'est juste que là, il y a un char qui est arrivé dans la cour. Puis amener mon WeCook. Puis après ça, ben, il était dans la cour. Puis on dirait qu'il était intéressé par le chemin. Après, j'étais comme non. J'y vais. J'ai chaud. Il va sauter, il tourne. Tu sais, ça le hale, ça le tient à être droit, mais tu tiens pas droit. Je montre que c'est différent, tu sais, comme de l'autre fois.
Donc, la mère, ben, elle bouge tout le temps. Puis, elle s'en va, tu sais. Puis, elle revient. Fait que des fois, il n'y a pas vraiment de glace. Puis, des fois, c'est comme genre un gros glacier. Là, tu vois, c'est plus comme de la petite glace, tu sais. Tu vois la mer, là, comme. C'est tout, là, tu sais. C'est vraiment différent. Puis, c'est ça, ça se promène. Dépendant des vents, des marées. Fait que, tu sais, l'autre fois, c'était vraiment comme, on dirait un gros glacier, t'aurais pu marcher dessus, là, tu sais. En tout cas, là, c'est comme ça. Mais tu marches pas dessus, là, mais genre, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Yeah. C'est la baie des chaleurs. En hiver, ça change tout le temps. Ça bouge comme ça, mais quand elle est gelée comme ça, ça veut dire qu'il fait frette. Yeah. C'est pas ça va aider le printemps. On a encore pas un petit bout. Tu regardes comme en face là-bas. Là, c'est comme bonne aventure. Bonne aventure, Québec. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais Charlie un petit pipi. Passion. Marcher dans la neige, juste pour entendre le bruit qui fait scrooge. Oh, j'ai chaud. Sur le... j'ai joué avec Charlot, j'ai amené prendre une marche. Puis j'ai lancé son Kong. J'avais pas de base, j'ai lancé le Kong. Ah, oh, il buzzait. En tout cas, j'ai lancé comme 50 fois. Plus chaud. On dirait que j'ai chaud là. Mon manteau, comme c'est pas vraiment un manteau pour bouger, on dirait là. Il respire pas. Fait que là, je m'en vais dans la douche. Je dis ça, Yann. Qu'est-ce que tu fais? No hard feelings. Il est tout froissé. Faut vraiment que je plie mon linge. Fait que je ferai pas le ménage de la chambre d'espère. Mais c'est ça. Fait que là. Routine du visage au thermalavine. Puis, oh, parce que je prends une douche chaude, puis ça me scrape le visage. Puis là, j'ai vraiment la peau sèche, là, fait que je vais mettre celle-là. Donc, la riche, mais en peau. Elle est encore plus nutritive que l'autre. Là, j'attends que ça sèche. Puis j'ai une question en même temps. Fait que. Est-ce que vous vous crèmez le corps? Genre, je vous explique pourquoi je pose ça comme question. Moi, je prends tout le temps ma douche le soir, la plupart du temps. Là, on n'est pas soir, mais. En tout cas. Ça dépend, mais admettons je prends la douche le soir, puis là, je me crème les jambes, je ne pourrai jamais dormir. Moi, ça me donne chaud de la crème, puis on dirait c'est comme si ma peau vient comme isolée, elle respire plus, puis genre, j'aime pas ça. Tu sais, ça me fait vraiment comme, je sais pas, ça me donne chaud. De la crème solaire, ça me fait la même chose. Mais j'en mets pareil. J'ai comme plus chaud l'été, mais en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous fait ça, vous autres? Comme ça vous bouche les pores de peau, on dirait. Puis comme votre crème respire pas. C'est-tu parce que, genre, je me crème trop vite après la douche? Tu sais, j'attends que la chaleur sorte. Tu sais, comme, on dirait... Je sais pas, c'est juste ma peau qui est faite comme ça, ou c'est comme tout le monde est fait comme ça, mais genre, vous autres, ça vous dérange pas. En tout cas, ma mère, est comme, elle appelle ça de la crème chaude. Écoute, elle a une chaude! Fait que, je suis pas assez, mais on est juste deux. Mais ouais, c'est ça. Puis là, elle est comme, ah, j'aime pas ce crème-là, ce crème-là, c'est une crème chaude. Moi, on dirait, je sais pas, je suis comme, je pense que toutes les crèmes me font ça. Puis, à un moment donné, aussi, j'avais un savon pour la douche, qui était comme un savon crème.
Genre, tu te lavais puis tu comme le rinçais tout de suite. Ça fait, je faisais mes jambes avec ça. Tu vois, c'était moins pire. Mais encore là, tu sais, c'était pas parfait. Bon, moi, j'ai 37 ans. Fait que crèmez-vous la gorge. Ça fait aussi partie de votre visage. Hein? Mais ouais, c'est ça. Vous me direz ça. Parce que là, je suis. Tu sais, je suis comme, oh my god, je me crème le corps, mais genre, je le fais jamais parce que je déteste ce feeling-là. On dirait que le visage, je suis capable de comme m'endurer. Je sais pas. Ça me dérange moins. Peut-être que j'aurais une crème pour le corps à vendre, mais ils sont tellement chers. Mais encore là, je suis sûre que ça ferait la même chose. Je suis comme juste pas faite pour me crémer le corps, on dirait, puis il faudrait parce que j'ai vraiment la peau sèche. Là, fait que c'est comme tannant. Là, fait que ça dit bien. Je me maquille pas aujourd'hui. Comme la plupart du temps. Mais genre, quand que je me maquille, je mets pas du fond de teint. Je mets juste ceci, la petite BB Cream Hydrance Riche, comme ça. Puis elle a comme un SPF de 30 aussi, ça je trouve c'est nice. Mais ouais, on dirait je sais pas trop. Fait que là, j'ai celle-là. Mais ça est pleine, là. Je la use pas. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a toutes sortes, là, mais on dirait, je me dis, tu sais, soulage la démangeaison, les sécheresses extrêmes, hydrate pendant 24 heures, ça devrait m'aider, tu sais, c'est sans parfum, avec beurre de karité, tu sais, y'a-tu comme, tu sais, c'est-tu que je devrais pas prendre hydratant trop? Parce que justement, parce que c'est trop hydratant, mais ça reste trop longtemps, puis ça m'étouffe. En tout cas, vous me direz si jamais vous avez trouvé une solution miracle ou si que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, genre comme je me crème pas directement après la douche ou si c'est pas un bon temps. Parce que j'imagine, tu prends ta douche, puis tu prends une douche chaude, tes pores sont ouvertes. Ça, là, tu crèmes, puis là, peut-être que ça remplit tes pores. Non, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça le fait un petit peu ça, mais pas assez pour que ça ferait une différence. Mais je sais pas. Donc, vous me direz ça. Je vais me sécher les cheveux. Alors, je les ai séchés un petit peu, mais je vais les laisser sécher à l'air libre. Ou je vais continuer de les sécher après que j'ai fini à vaisselle parce que là, j'avais trop chaud. Mais je voulais vous montrer mes pantalons. C'est que je vais vous montrer ça. Là, fait que je voulais vous le montrer parce que il y a tout le monde fait des super belles outfits avec ça. Moi, je les ai juste pris noir par exemple, mais c'est comme un legging, pantalon sport, elastique, whatever que tu veux. Puis il y en a des espèces de brun, puis rouge, comme brûlé. Puis, tu sais, ils sont comme vraiment à pâte large. J'ai tellement vu des belles outfits sur Instagram avec ça. Fait que je m'ai dit, j'allais m'en commander une paire, puis en plus. Fait que, ouais, c'est ça, il y a comme 16 petites. Fait que vous pouvez commander la longueur que vous voulez. Fait que je trouve que c'est nice. Ils traînent pas trop à terre. Mais moi, je les garde juste pour comme à la maison. Je trouve que. Je suis bien dedans. Puis c'est différent que toujours porter comme un legging tight. Un legging skinny, j'aurais dit. Charlot, tu me fais mal. Fait que voilà, je vais aller faire ma vaisselle pour vrai. Juste pour les montrer de plus près, là, comment ils sont faits. Mais. C'est comme ça. Une grande bande ici. Je les aime. Pour qu'ils s'en foutent. Puis. Ultra confortable. Donc, je peux pas vous montrer vraiment. Montrez pas ma bedaine. Tu sais. Là, je vais voir le stuff. Fait que c'est ça. Je les trouve vraiment confortable. J'ai envie de m'acheter ceux-là qui sont comme une espèce de brun rouille.
Let's go! C'est un des paniers. T'es pas relaxant. As-tu allé les couvertes? T'es fou. Il joue avec ça, ça l'obsède. Je peux le contrôler avec mon téléphone. Bon, fait que les essuie-mains, les débarbouillettes, les linges à vaisselle, les guenilles aussi, sont dans le fond là. Tout est plié! Ça, c'est la petite, le petit linge à vaisselle que j'ai acheté au Dolo. Je trouvais qu'il était cute. Hier, j'étais au Giant Tiger puis je m'ai ramassé des nouvelles guenilles à vaisselle. Ça va faire du bien. Pour laver, là. Pas pour essuyer. Pour essuyer, ça m'en prendrait des nouvelles aussi. Puis qui essuie bien. J'en ai comme beaucoup des décoratifs. Puis André, genre, il les use pour d'autres choses. Pour essuyer le comptoir. Puis les tampes. Tu sais, c'est les bonnes du Marshall, ça. Fait qu'en tout cas, c'est la vie. Fait que je me suis faite encore une assiette comme ça, mais là j'ai mis du hummus l'autre sorte. J'avais pas pensé, mais j'en avais déjà dans le fridge un nupo. Fait que j'ai pris celui-là, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais ouvert l'autre, je l'avais mis trop sur le bord, puis Charlot l'a pogné. Il l'a tout liché. Ben il l'a pas mangé, mais il a vraiment comme. Il a liché dedans, j'étais comme. So, c'est ça. Puis, là, j'ai un petit questionnement parce que j'ai dû. Philadelphia, il est nœud. Lui aussi. Parce que, dans le coup, je suis à l'épicerie, j'en ai acheté, je l'ai pas usé. Mais, j'écoutais Maude, puis elle disait qu'elle prend du cream cheese avec du piment. So, j'étais comme, hein. Faut que je goûte parce que moi j'aime ça du cream cheese. Ok. J'aime mieux ça que du hummus. Mais c'est quand même. Ça qui est vraiment bon avec du cream cheese, c'est des biscuits aux légumes, les tins aux légumes. Genre ceux-là, c'est les bretons, là. Mais les tins, c'est bon. Que je vais manger ça. J'ai retrouvé mon chargeur pour iLife, mon iLife. On l'appelle iLife. Je sais, ma plante a besoin d'eau. Fait que c'est ça, j'ai passé quand même la balayeuse là, tantôt. Mais éventuellement, j'aimerais ça que l'électricien vienne mettre une plug en arrière de là. Puis un lock pour ça. Est-ce que ça existe? Si jamais vous savez si ça existe, I need that. Parce que là, Charlot, il ouvre toujours ça, puis il va chercher les jouets quand que je les ai rangés, puis que je veux qu'il joue juste avec certains jouets, mettons. Là. Je veux pas qu'il les sorte toutes. Fait que c'est ça, je vais fermer ça là, parce que là, c'est bruyant. Mais en tout cas, je l'ai juste dit que Charlot était pas trop impressionné. Il commence juste à se calmer. On est jeudi. Ça y est, la mère a changé. Charlot a vu des pitous, fait que là, il est pas content. Allô! Fait que là, vous avez dit, j'ai comme un drôle de projet. Mais j'avais vu les beignes rétro. Puis je voulais vraiment les essayer. Puis là, il y a quelqu'un parqué à côté de moi, puis elle va se dire que je parle de ça, mais c'est pas grave. Fait que je m'ai dit que j'allais les essayer. Fait que j'ai pris une boîte de 6. Puis je. De ce que je peux voir, il y en a 4 différentes. Mon Dieu, on dirait mon cerveau. Oui, c'est ça, il y en a 4 de différentes.
Donc, il y a celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci, qui semble être genre une grosse Timbit au chocolat. Puis, il y a celle-ci. Fait que là, je vais pas manger 4 donuts. Fait que j'ai mangé un couteau. Puis une fourchette. Mon Dieu. J'ai déjà les mains et le collant. Ça va bien. J'ai mangé un couteau puis une fourchette. Puis j'ai goûté ça en ordre de comment je vous les ai montrés. Ouvrir ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a du jus là-dedans? Est-ce que c'est totalement plein? Non, c'est totalement plein. Fait que la carrée, juste comme normal. Je sais pas pourquoi je le coupe, là. Je vais juste prendre une bête. C'est, je pensais que je vais arracher un morceau. Ouais. Je vais pas mettre ma bouche dessus, là, parce que là, c'est des fois que je les mangerai pas toutes, là, tu sais. André va en manger. Fait que je veux pas toutes les bêtes. Fait que bon, là, j'essaye la carrée, là, comme ça. Je pensais que j'avais vu sur les côtés qu'il y avait les noms, mais non, on les a pas. Fait que c'est ça. Je pense que celle-là s'appelle un drôle de nom. Elle est bonne. Je la vends plus. C'est bon. Comme un 6 sur 10. Ça goûte pas beaucoup. Parce qu'il y a des grapes, on dirait, dedans. Puis il y en a pas partout. Je sais pas si c'est des grapes, mais j'imagine que c'est des grapes. Ouais, c'est des grapes. OK. Deuxième que j'essaye, c'est celle-là. Je trouvais qu'elle avait l'air bonne, celle-là. So, il y a pas de stuff dans le milieu. J'aurais aimé savoir les noms. Je vais aller sur Google et je reviens. Bon, fait que celle-là que j'ai goûtée, c'était beignet à la hollandaise. C'était correct, là. J'ai donné un 6 sur 10. Puis, celle-ci, c'est un beignet au bleuet. Je m'en dirai pas, j'ai déjà pris une bite. Puis, c'est bon. C'est ça goûte le bleuet. Ça fait le job. Le stuff, c'est ça. Le top est. Le petit sucre, c'est bon. Mais, quand je regarde la photo, c'est comme s'il y a du... Ah oui, il y en a. Enfin, juste pas rendu assez creux. Il y a du stuff dedans. Fait que, j'essaie de recogner une petite bête. Ah mon Dieu. Là, je t'ai fait un mess dans la boîte, là. Verrier ça, c'est pas cute. On dirait que je trouve qu'ils sont pas beaucoup cuites. Plus c'est moi, mais en tout cas. Maintenant, on va essayer celle-là. Oh. Non, je vais garder le chocolat plafond. Là. Fait que je vais essayer celle-ci avant. Ça dit tornade au sucre à la crème. Fait que. On va essayer ça. Hein? Regardez ça, c'est vraiment comme. Je vais dire merci. Au centre, du coup. Nul. Je vais prendre une petite bite là parce que là. T'as un charlot. Ça, ça goûte pas grand chose. On dirait qu'il manque quelque chose. Ouais. C'est comme un. Ça goûte rien, hein? C'est comme un 3 sur 10. 2 sur 10. Puis finalement, le dernier, c'est un
croquant aux noix. Donc, comme ça. Voilà. Ça a l'air exactement des bites au chocolat. Non, ça goûte pas la timbite au chocolat. Ça goûte vraiment plus comme les noix, là, comme, tu sais, comme un petit goût d'amande, on dirait. Ou... Comme sur le top, là, ça, ça fait comme dans la bouche. J'aime la petite texture, sur le top. Puis là, j'en vois là, qu'il y a des petites noix, là, comme... Ça goûte pas comme une timbite au chocolat. Ça, j'étais sûre que c'était ça que ça allait goûter. Là, j'ai les mains pleines dessus. Mais c'est elle que j'aime le plus. Ben, c'était évident. C'est bon, ça. Ouais. C'est différent. On dirait que c'est pas trop écœurant. J'aime ça. Comme un 8 sur 10. 7 sur 10. 7, 8. 7,5. sur 10. Fait que si jamais vous les essayez, vous me direz, ou que vous les avez déjà essayés, vous me direz quel est votre préféré. Elle ou bleuette et papillon. Puis, c'est ça. C'est la meilleure. bon. Fait que je vais ramener le reste à la choupe parce que moi, je mangeais pas le reste. Mais eux autres au chocolat, ça a des croûtes. On va se le dire. Mais elles seront vraiment bonnes. C'est comme moins écœurant que si ça goûterait juste le chocolat, comme une timbite au chocolat. On dirait qu'il y a comme un... c'est bon. Fait que je pense que sur ça, je vais fermer le vlog. Je pense qu'il est assez long. Puis j'en recommencerai un autre plus tard. Fait que merci d'avoir été là. Puis on se rejase la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Puis gros merci, ma chaîne grandit toujours un petit peu à la fois. Puis c'est ça, si vous voulez avoir plus de contenu, ben venez sur Instagram. Mon Instagram c'est Annick Guitar. Puis c'est ça, des fois je fais des stories. Puis c'est ça, c'est bien le fun. Donc à la prochaine, bye!